vais interviewer des joueurs, enfin je vais poser des questions à des joueurs. Et ensuite on va aller les voir s'entraîner. Voilà, je suis très fier d'être ici aujourd'hui. Ça va? Oui. Et Hernandez, Ibrahim Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, d'ailleurs Open Mécanique. Salut, ça va? Ça fait comment? J'ai grandi avec un ballon dans les pieds. Je me souviens d'une photo quand j'étais petit, j'avais un biberon dans la main droite et je tapais du pied gauche. C'était la passion de la famille. Mon frère joue au foot, mon père un peu aussi, mes deux frères en fait. Et j'ai baigné dans le foot depuis le plus jeune âge, donc voilà, pour te dire que dès le début, en fait, j'avais un ballon dans les pieds. Quel est votre meilleur souvenir en équipe de France? T'as pas une petite idée? Voilà, laquelle? Ouais, forcément, les meilleurs souvenirs sont ceux des victoires, et, même si les défaites font avancer dans la vie. Et qu'elles sont difficiles à oublier, on préfère forcément les instants victorieux. Quoi. Quels sont vos objectifs en équipe de France? Mes objectifs en équipe de France sont de marquer un maximum de buts pour faire en sorte que Kylian ne rejoigne pas au classement des buteurs d'ici un ou deux ans. Non, il va battre tous les records, mais moi, mon objectif, c'est... Voilà, c'est de prendre encore beaucoup de plaisir dans cette équipe parce que j'en prends beaucoup. C'est ce pourquoi j'ai décidé de continuer. Et l'objectif, c'est aussi de jouer l'Euro et de gagner cet Euro parce que quand tu entames une compétition, c'est avant tout pour aller au bout, la gagner. Et c'est aussi le trophée qui me manque dans ma carrière. Donc, voilà, c'est un objectif qui me tient à cœur. Mais bon, on verra, on n'est pas là encore. Pas demain. Quelle est votre idole dans le foot? J'aime bien Léo Messi. Voilà, il est gaucher comme moi et c'est quelqu'un qui a eu une grande carrière. Et je pense que c'est l'une des personnes qui m'inspire le plus dans le foot. Quel est le moment le plus important de ta carrière? Ça a été ma première sélection en équipe de France. Voilà, c'était quelque chose d'énorme pour moi. J'avais fait toutes les catégories en jeune. Et voilà, le résultat final, c'était d'arriver ici. Et c'est pour ça que je pense que c'était une chose très importante pour moi. Et le meilleur de l'équipe de France que tu es le plus content de retrouver? Youssouf Fofana. C'est une personne avec qui j'ai joué dans notre club de quartier, dans un petit club à Paris. C'est une personne avec qui j'ai grandi, on vient du même quartier. Et voilà, le retrouver ici, ça me fait toujours plaisir et j'espère qu'on va pouvoir se voir longtemps aussi. Quel est votre meilleur ami en bleu? Ah, j'en ai beaucoup. Toi, il aime lui là. Lui là. Le grand gars. Ça va? Ah, j'ai beaucoup d'amis. Et lui, c'est mon. Lui, c'est un petit frère. Allez. Coupe la caméra. On a passé de très bons moments ensemble durant la Coupe du Monde. Donc, là, je suis très content de revoir tout le monde. Et vous vous appelez comment? Abdallah. Comment allez-vous? Ça va? Quel est votre meilleur ami en bleu? En bleu? Je crois que c'est lui, hein, la personne là que vous avez juste avant, d'ailleurs, pour Mécano. Votre idole dans le foot? Ronaldo R9, tu connais? Oui. Ah, tu connais? T'as quel âge? 9 ans. Ah, ok. Ça va, t'es jeune. Si tu connais, c'est bien. J'ai crié chez moi et malheureusement j'étais tout seul donc j'ai dérangé personne. Donc non, j'étais vraiment très 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 heureux et c'était un objectif que j'ai atteint et j'avais hâte d'être à la Coupe du Monde. Bonjour, ça va? Quel a été votre plus beau match joué sous les couleurs de l'équipe de France? Le plus beau, le plus prestigieux, je dirais la finale de la Coupe du Monde. Pas dans le sens comment ça s'est terminé, mais... Au niveau du prestige du match, je dirais, la finale de la Coupe du Monde. Je t'en prie.
Mon meilleur ami ? Avec Pente. Ah bah c'est mon ami avec qui j'ai grandi depuis le tout petit aussi. À quel âge avez-vous commencé à jouer au foot ? De là à 6 ans. À 6 ans, ouais. Quel est ton meilleur souvenir de foot ? Je pense mon premier but sur le Maroc. Merci. Oui, ça va ? Quelle a été votre réaction à votre première sélection en équipe de France ? Non, je crois que j'ai crié de joie. Hein. J'ai crié de joie. Ouais. Après, j'ai dansé. Ça, c'est Radio. Ça, c'est pour mon ami. Ça, c'est Jérôme. Bonjour, est-ce qu'on peut faire une photo ? Ouais, mais c'est plus important avec eux. Est-ce qu'il dit bonjour ? Une photo, s'il te plaît. Merci, Antoine. Oh, non, c'est chez moi. Oui. Et on fait une autre photo. Merci. J'ai vu le peintre. Merci beaucoup. Vous mettez sur sa tête. Et c'était bien de voir des joueurs de foot et ça m'a plu. Super gentil, ça fait du bien de leur parler. Magique.